J'ai cru qu'on était en mode PoE, j'ai fait ça avec ma lame de Doran, j'ai cru que je l'avais jeté par terre. J'étais en mode non, je vais aller en face de lane, j'aurais pas d'item. Je pense que l'invade est un shit move. Je pense que c'est cover plus ward plus shit move plus you fell off plus L. Main wave pour l'instant, c'est pas ouf en vrai. Parce que si j'arrive à bien la steal là, je devrais pas avoir de problème. J'ai loupé un 16 de trop, du coup je suis à 22 au lieu de 23. C'est un peu dommage. Mais c'est fun, on devrait être beaucoup plus derrière anyway, donc c'est fun. J'ai que 4 CS de retard, c'est vraiment bien. Hein. La pression que j'aspire et que je perds pas d'HP et je suis pas en range de kill, c'est vraiment insane. Il y avait Nuremon en dessous. Il y a Nida aussi. Close. Il a pris l'aggro. C'est bien. Hein. Si c'est fait. T'as l'impression que. Enfin, pourquoi la Nina met autant de pression par le dernier? C'est une scène, non? J'aurais dû flash légèrement plus tôt. J'ai failli me faire surprendre. Edna est morte. Légère différence de pressure au niveau des joueurs. Ah, c'est pas trop problématique. Moi, j'ai pas tant de retard que ça, moi, ça. 53-65. Ouais, j'ai pas pu. Ça a Jamie's Click en plus. Bah, t'as pas de flash, tu l'as où? Mais il fait quoi? J'étais dans la zone là. Non, notre rôle. J'étais tellement dans la zone. C'est la méditation, mais 100%. Tu trolls, mais c'est 100% ça. Hein. C'était incroyable. XXBB mou, ouais. Pour le coup, c'était vraiment ultra clean. Bah, du coup, no flash, no flash, no flash. Je gagne la game là-dessus. Après, j'ai toujours pas besoin de ma clean sans rien. Elle a plus de dash out, elle a pas de lutte. Nice. Slight mid diff. Et c'est game. Pour le coup, c'est vraiment game là-dessus. On a joué ultra propre. Je suis très très content. On a vraiment joué très très clean. Directement, tac. Hop, hop. On prend une pink hein, parce qu'on est midlaner. Ils sont 3 top. Ils ont pas des rolls par contre. Est-ce qu'il y a moyen qu'ils prennent la terre comme ça quand même? Il y a moyen. Hein. Parce que je suis pas en train de courir top là. Hein. Elle a trop mal joué. Je peux pas aider, elle a trop mal joué. Faut qu'elle arrête de BM. Hein. Une stopwatch, une stopwatch. C'est pour ça qu'il y a BM. Ah, merde du redon. Nice. Nickel.
je bait, je peux pas fight. Ça, ils sont vraiment pas très bons. Et Diana aurait pu faire toute sa jungle, elle a décidé de rien faire. Enfin, elle a pris le buff, quoi, mais c'est pas intéressant. Pourquoi je suis en 4-0-1 et la game est aussi complexe, genre? Impression de me faire courir balle en bleu. Tac, hop, hop, hop. Et on est reparti. Je vais probablement side ou bot, je suppose. Je suis vraiment bien, donc... Je pense qu'il y a plus de gromp parce que c'est fait prendre toute la bot side, mais on va vérifier quand même. On est niveau 11, c'est vraiment pas mal. On a un gros shutdown sur Yul, faut qu'on fasse attention. C'est pour ça que j'ai condamné très tôt et je l'ai pas condamné contre le mur parce que je savais qu'il allait essayer de parler de la condamne. Donc je l'ai condamné très tôt pour pas qu'il puisse jouer autour. Et derrière, je savais qu'il allait me parler depuis le bush vu qu'il avait pas d'autres options, il avait deux marques sur lui. C'est pour ça que j'ai juste joué la patience, j'ai attendu que le trash me donne la vision. À partir de là, c'était free. J'ai même pas proc le shield bow. J'étais vraiment très très safe. Je peux avancer comme je veux, c'est pas un problème. Je lui mets deux levels. La Nidalee est en train d'aller sur son topside, elle peut rien faire. C'est free. Hein. C'est 25 gold, c'est gratuit, c'est un CS. Qu'est-ce qu'il fait? Excellent. Et normalement j'ai la T2 là-dessus, donc c'est big. J'ai 3K gold, c'est un grid plus longtemps. On va pas rester dans ce bush parce que ce bush est trop facile à check avec le dash de Leblanc. On va gentiment back ici. On est à pink, on a l'impression, on est à 6-0-1. On est à 8-16 minutes. Hop, on a Ginzo. On va directement faire ça, into de la MR. On a plus de place pour la pink, malheureusement, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on était vraiment très bien. La pink nous aurait mis vraiment pas mal. Ça nous aurait permis de grid la position sur le split. Mais là, malheureusement, on n'a pas le choix. Notre Irelia est en 0-6 et elle a décidé de faire Bramble. Ouais, intéressant. Ils ont un deuxième Herald, mais je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Peut-être qu'ils vont essayer de prêcher un top lane. Perso, je vais juste faire le Drake. Malheureusement, j'ai un raid en moi, encore une fois, mais c'est pas grave. D'accord, donc flash, ignite, flash, gale force, flash. On va se le faire style. Ouais. Heureusement qu'on a fait boss. Hein. Heureusement qu'a fait boss a commis deux trucs. C'était bien joué de sa part. Oh, je fais 2 kills là-dessus. Hein. C'est bien. C'est vraiment bien. Hein. Shutdown, doublé. En plus, il a use son heal. Ils prennent rien d'autre, ils ont pris une tour. Et je récupère le move qui était pas incroyable du Nash, qui se retrouve à être pas dégueu au final. Hein. Hmm. Je trouve juste dommage qu'on joue pas plus autour du fait que je sois extrêmement fidèle. J'ai un Anathema, il faut que j'ai un Anathema qui au final Jin. Ah, je sais pas, la Fira elle s'est vraiment posé problème aussi. Je vais me mettre ici. Je vais me mettre ici, je vais attendre. Ça en a eu pour rien, il y a 5 personnes SS en fait. Enfin, il y a 4 personnes quoi. Le blanc bot et 4 personnes SS. Je pense qu'il va essayer de faire un catch sur ma gueule avant le Drake. On va juste être patient, on va vraiment juste jouer la patience.
Ah, elle meurt pas, j'ai mal joué, j'ai très très mal joué. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai voulu qu'on donne très tôt aussi, et elle l'a vu, et du coup, je nous perds le Drake, c'est ma bonne. Je vais aller side, hein, je vais retourner side. J'aurais bien aimé side bot, mais. Je suis niveau 16 quand même, hein, putain. J'ai ma cliff dans 40 secondes, en vrai, je pourrais juste l'attendre. C'est deux fois qu'il me baise. Il insta parade Kango. Qui c'est qui vote FF quand on rigole? Ah oui, le mec en 1-8-1, ça marche. Le mec qui fait en sorte que la game soit complexe et la seule raison pour laquelle on n'arrive pas à gagner des teamfights, c'est à cause de la Fiora. Mais ça marche, ouais. On s'oublie que c'est pas mieux. C'est vraiment dommage que d'ailleurs. Oh là 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 là. Ce mec là vote FF, vas-y. Ouais, on va anathema la Fiora. C'est le Jin et même pas. Et même pas germe. On va jouer le level 18, on va jouer le split et on va essayer de solo kill. Et cette fois où elle m'a tué, la Fiora c'est en équipe, hein, elle peut pas. Ça marche là. J'ai trop mal joué ma commande. C'est pas grave. On prend énormément là-dessus. Deux shutdown plus Nash. Grâce au split. Bah elle a son R en fait. Elle a fait les vrais. Je suis niveau 18, full stuff. Ils sont en train de nous run dessus, je trappe. La Diana a tous ses spells, Sums. Avec Zonia 2 up, fait les vrais. J'aurais pu mieux jouer, mais j'ai beaucoup misplay sur le move. J'ai beaucoup misplay, mais l'anathema a fait le taf. Du coup, je me suis pas fait delete. Faut juste run. Hein. Ouh. Non. Oh là là, l'ulti de l'aérien. Heureusement que le trèche a sauvé la game. Heureusement que le trèche a sauvé la game. Vénurum vient de sauver la game sur ce hook. Le Aphelios fait le taf en vrai. Il joue pas trop mal. Mais. Il joue vraiment pas trop mal le Aphelios, hein. Il joue vraiment pas mal du tout. Hein. Faut push, hein. Faut prendre inhib, hein. Faut prendre inhib. Faut prendre inhib parce que derrière ça me set up le Nash et on peut faire le druid par l'occasion. Ici le Penta. Ils finissent? Mais il faut qu'il tape la tour, qu'est-ce qu'il fait? Il tape la tour! Mais il est sérieux même. Ok, GG. Je veux non la fille, sans... la game a tenu grâce à lui. La Diana a failli nous sur le loot de la game. Mon top laner est en 1-10-5. Mon jungler a 10 de KP sur 33. Mon ADC c'est lui qui a le plus de KP de la game après moi. Les deux ADC de la game sont ceux qui ont le plus de KP de toute la game. Le 1v3 a mis bien. En vrai le 1v3 est phénoménal. En une no troll, le 1v3. En une no troll. Vous avez clippé le 1v3? Parce que je suis pas peu fier. Hein.
On peut le revoir, vous avez un clip? Non, pas celui de la fin, le 1v3 en mid lane. Dans ce blaze là. Regardez, en fait ce qui se passe c'est que là je suis en mode, ok. Je mets une auto, en fait là j'ai mis une auto sur la... J'ai mis l'auto de Ginzo sur la Fura, ok. Là je mets une auto sur Jhin, et en fait je mets une deuxième auto. Et j'active l'ulti à ce moment là parce que je sais qu'il s'est mis en range ulti. Enfin en range de RQ. Et le R me permet d'avoir les dégâts sur cette auto. Et sur la prochaine auto, et ça va le one shot en fait. Et voilà, du coup, je chope un reset d'auto, je le one tap. Et là, j'ai déjà l'état de tempo stacké parce que du coup, j'ai déjà mis une auto reset, auto de Ginzo et auto sur la Fura. Ça fait 4 autos, mais en vrai, ça fait 6 autos du coup, tu vois. Et parce que là, si vous regardez bien en fait, là, il y a une auto roulade qui part sur la même personne. Et bah, elle compte comme regardez, je suis à 3, 4 autos, et là, attendez, et là, regardez. Auto 5 et l'auto après la roulade, hop là, je passe à 6. Je passe à 6 stacks. C'est difficile à voir, mais en fait, regardez. Je suis à 5 stacks et là, il est déjà mort. Et en fait, je passe à 6 stacks. Parce qu'en fait, si tu fais le reset d'auto, même si la personne meurt, ça te donne les stacks. Ça te refresh les stacks. Et du coup, là, je suis à 6 stacks et en fait, je suis en mode, ok, maintenant, c'est l'heure de taper la Fura. Donc je quête légèrement la Fura, et rate sa parade, je deviens confiant, tu vois, donc j'avance. Mais le problème, c'est que je m'attendais vraiment pas à cette cage, en fait. Parce que la cage, je sais pas pourquoi, mais genre même là, je m'y attendais pas, en fait. Comment ça se fait que je m'attendais pas à la cage? Ah, c'est parce que la Fura lui passe dessus, en fait, au moment où il envoie. Et en fait, l'animation de la cage, c'est la même que l'animation quand Morgana se retourne, en fait. Regardez, en fait, vous avez vu? Vous avez vu? On peut... Non, notre rôle. On peut pas voir l'animation de la Morgana. C'est pour ça que j'ai pas dodge la cage et que je l'ai pas vu. Ah, mais je faisais pas attention à ce que faisait la Morgana, j'étais trop focus sur le fait de... J'étais vraiment en tunnel vision sur la Fura. Donc c'est vraiment pour ça que je me suis retrouvé à... Mais t'as vu? On voit vraiment très très mal ce qui se passe en fait. Du coup, je suis en auto-attaque sur Anida. Et là, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, y a eu un kiting avec de l'attaque speed légèrement plus lente. Parce que je pensais qu'en fait, là, j'avais déjà deux autos, en fait. Je pouvais la tuer en deux autos. Parce que je pensais que j'avais un stack de Ginzo. Mais en fait, non. Du coup, il refallait une auto, et du coup, j'ai un peu bégayé, en fait. Je sais pas si vous voyez, ma souris, elle est déjà en train de partir vers le haut. Et je me rends compte qu'elle est toujours pas morte, et du coup, faut que je remette un clic. Regardez. Attends. Je vais repasser le move. Regardez ma souris. En bas, là, je kite. Normalement, et là ma souris commence déjà à partir vers le haut comme ça. Et je suis déjà en train de quitter vers le haut parce que je pensais qu'elle était déjà morte. Ouais, et du coup je quitte légèrement plus lentement. Et en fait, je bait la Nida. Et là, pareil, ça c'était un bait de. Comme je me suis fait avoir. Comme je me suis déjà fait avoir par le. Par la cage de Morgana sur le move d'avant. J'étais en mode, ok, la Morgana elle va 100% chercher à predict. Elle a passé la game à chercher à predict. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exprès de rouler dans ce sens. Je sais qu'il y a une Ignite sur moi, du coup, et je sais dans quel, de, qui, je sais qu'il sait dans quelle direction il a dash. Enfin, je sais qu'il sait dans quelle direction j'ai dash, putain. Et du coup, qu'il va prédicter mon mouvement. Et là, il cage, et moi, j'ai déjà prédicté, en fait, je me suis déjà déplacé avant que la cage parte. Et j'ai vraiment pu jouer autour de la cage, et du coup, derrière, j'ai fait le quadrant. L'attaque speed sur ce move est vraiment super agréable. Ah, tu l'as? C'est celui-là, Ekredin? T'es un monstre si c'est celui-là. Il y a moins que ça soit ça. Ok, chat, regardez. Déjà, d'entrée de jeu, en fait, ce qui se passe, c'est que l'état de la wave et le fait que j'ai reset, et je sais que le blanc est forcément quelque part ici, parce qu'il n'y a rien à faire au top, parce qu'il n'y a pas la... Il n'y a rien à faire au bot, parce qu'ils ont contrôle de wave, il n'y a rien à faire au top, parce que la Fiora est pas sur la map. Et il n'y a rien à faire au niveau des junglers, parce qu'il n'y a pas de scuttle. Le scuttle up et le scuttle est pas up au top. Et il y a toute la jungle qui vient de respawn. Donc je sais que c'est un temps plus ou moins mort. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bot, ils se font full contrôle. Ils sont en train de se fight. Là, je crois qu'ils fight Morgana. Et là, je sais que la Lulu, elle va pas tarder. Donc je me prépare à condamner. Voilà, hop. Ça me dérange pas, on trade. Là, par contre, il a troll parce que je sais qu'il a pas de flash. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Je me fais ignite, mais je sais que c'est fine. Et là, je sais qu'ils ont Drake. On a l'info qu'ils ont Drake. Et là, regardez. Pff,
Enfin, le concours de circonstances est juste illégal, regardez. Oh, c'est honteux, ouais. Oh là là, et le flair. Non, mais là, le djinn, il devait avoir les nerfs. J'en reviens pas. En vrai, le djinn là-dessus, il flash sur le triomphe et il me Q pas alors qu'il pouvait me Q. Hein. Si j'ai pas de bêtises. Il a Q la wave ou il m'a Q? Attendez. Il a Q la wave. Oh, il va le regretter toute sa vie. Ah, j'étais dans ma zone sur ce move. Non, ouais, incroyable ce move.